J'ai découvert il y a 2-3 ans que Lisbonne était de fait, à un moment donné, surtout après la chute de Paris et l'occupation, donc devenu le dernier port de sortie et donc du coup la dernière port d'espoir pour des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés qui pouvaient quitter l'Europe encore avec l'espoir de se rendre soit en Amérique latine ou en Amérique du Nord. Et en suivant quelques biographies, notamment par exemple Jean Renoir, qui était réfugié parce qu'il le voulait, il n'était pas directement menacé, mais il y avait aussi d'autres gens comme Roman Wichniak, le photographe, ou Saint-Exupéry, qui se sont réfugiés à Lisbonne dans l'espoir de trouver un bateau qui leur permettrait donc de se rendre en exil. En suivant ces différentes biographies, je me suis rendu compte de l'importance que la ville a pu acquérir au cours de cette période historique précise. J'étais frappé de voir comment la ville qui avait été au centre d'une certaine manière de l'Europe occidentale en 1900, au moment où les Portugais ont fait leur grand voyage, les grandes découvertes et conquêtes, comment cette ville qui s'était déjà trouvée au centre donc, de l'Europe est redevenue, bien malgré elle, un point tout à fait central sur, cette fois-ci, la carte de l'exil. Et j'ai été frappé, en travaillant sur cette histoire, j'étais frappé du fait que j'ai pu, à travers ce travail, littéralement me souvenir d'un souvenir qui était assez enfoui et qui concerne en fait mon grand-père maternel, qui lui était chercheur, il était d'origine juive, mais de nationalité suisse, immigré en Suisse, mais donc naturalisé suisse. Lui s'était également rendu à Lisbonne avec le projet donc, de se rendre aux États-Unis en 1940. Et j'ai pu établir un parallèle entre son voyage à lui et donc ce mouvement général des réfugiés vers la péninsule ibérique. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est que mon grand-père s'est rendu aux États-Unis pour des raisons professionnelles et au bout de quelques semaines, il a pris la décision de revenir en Europe. Dans la mesure où il a été d'origine juive, comme la plupart, pas tous, mais la plupart des réfugiés, j'ai vu un parallèle qui m'a paru intéressant de faire entre son voyage à lui, qui a débuté d'une certaine manière au début du XXe siècle, parce qu'il était d'origine polonaise, ukrainienne, sa famille. Il a pu d'abord se réfugier en Suisse pendant les premiers pogroms en 1905. Et il a donc, en quelque sorte, effectué le voyage sur plusieurs dizaines d'années, le même voyage que dizaines de milliers de réfugiés ont effectué pendant, pour certains, quelques semaines. Et tout ça m'a donné, j'ai eu l'impression que ça donne une idée assez précise de l'importance que cette ville a pu donc acquérir pendant cette période. Une période très contrastée, parce que la ville elle-même, elle était sous contrôle de Salazar, qui était évidemment, s'il n'était pas un dictateur sanguinaire comme l'était Hitler, Mussolini ou Franco, avait quand même une posture politique qui le rendait plutôt, qui le permet de le situer proche des dictateurs de son époque. Mais les ambiguïtés de sa politique ont permis d'abord au Portugal de rester neutre, et donc permis à tous ces réfugiés de séjourner pendant, pour certains, plusieurs semaines au Portugal en attendant un bateau. Et puis, malgré sa politique assez restrictive, a quand même pu donc ménager des espaces pour les réfugiés pour qu'ils puissent partir de cette ville et trouver une vie à peu près normale dans Outre-mer. Alors, quand on se penche un peu sur les témoignages de ces réfugiés, ce qui est frappant, c'est qu'ils se sont tous trouvés dans une espèce de sas. On sent que tous sont, d'une certaine manière, conscients qu'ils vont perdre la vie ou qu'ils ont déjà perdu la vie qu'ils ont pu avoir. Ils vont perdre leur langue, ils vont perdre leur passeport, évidemment. Ils vont devoir se réinventer une langue, une existence, une vie professionnelle sur un autre continent. Et ces transformations, ces doutes, ces moments d'hésitation, m'ont paru particulièrement intéressant parce que c'est vraiment un état d'esprit qui est tout à fait particulier et qui, d'une certaine manière, résonne parfaitement avec cette ville qui est aussi très mystérieuse, qui permet beaucoup d'associations historiques, encore une fois, à cause de son ancienne grandeur. Et il m'a semblé que ça donne une sorte de chambre d'écho tout à fait passionnante, à la fois par rapport à l'histoire européenne, donc c'est un chapitre très particulier de l'histoire de la guerre en Europe, mais quand on regarde vraiment la particularité de Lisbonne,
on a l'impression qu'on peut... cette ville ouvre un nouveau point de vue sur ce qu'ont pu vivre des milliers et des milliers de personnes qui sont passées par la ville.